Bonsoir à tous, bienvenue dans Formula One, le magazine de la F1. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir en compagnie de Thomas Sénécal, qui n'est pas parti en Chine pour rester avec nous. Bonsoir Thomas. Et d'Alain Prost, que nous sommes ravis. Une image, c'est évidemment celle du vainqueur, la joie de Lewis Hamilton aujourd'hui, qui a remporté le... On pensait que ce serait qu'à deux. Et déjà des tensions qui commencent à être un peu... Raison, Thomas, effectivement, c'est de voir cette lutte à trois qui est en train de se profiler. C'est pas du tout le même scénario qu'en 2014, ça c'est l'indifférent. Et au championnat, Vettel est... Alors Shanghai, c'est loin, mais c'est beau. Et pour se familiariser avec les lieux, qui de mieux que Laurent Dupin pour nous servir de guide. Tout de suite, en route pour Shanghai. Et il est fort, ce Laurent Dupin, il a réussi à interpeller cette... On se souvient d'un Grand Prix d'Angleterre en 2003, donc évidemment, il peut y avoir des sanctions. Et il faut souligner aussi que c'est dangereux pour la personne qui... Il peut faire un écart, et effectivement, très dangereux. J'espère qu'on ne revoit pas ces images. Là, en tout cas, on revient au Grand Prix de Chine dans quelques instants. On va faire un petit détour par le passé. Alors, jusqu'au début de la saison 2015, les pilotes pouvaient changer leur décoration de casque comme de chemise. Eh bien, c'en est terminé. Alors, certains râlent, d'autres sont indifférents à cette mesure qui a été prise en ce début d'année. En tout cas, auparavant, on avait un casque pour la vie. Manifestement, on ne s'en portait pas plus mal, on regarde. Il change à chaque Grand Prix, c'est un peu plus moderne. C'est la société aussi, hein. Ouais. Moi, je vois là, chacun son... Mais oui, vous avez raison, on y voit beaucoup plus clair. Bon, chacun sa génération. Une petite pause, merci messieurs, on se retrouve dans quelques instants, juste après la pause. Retour sur le plateau de Formula One en compagnie de Thomas Sénécal et d'Alain Prost. On évoque le Grand Prix de Chine, de Shanghai, 12e étape, 12e pas du tout, 12e édition de ce Grand Prix. Alain, on va voir quelques images de ce magnifique circuit qui voit... Il ne souvire pas, c'est-à-dire qu'il a... Le film, un mot sur les qualifications avec une légère frustration pour Nico Rosberg. Ah ouais, c'est le mot pour le pilote allemand tout au long de la pole position sur le circuit chinois. Un peu moins de réussite pour Nico Rosberg, on vient de le voir. On va découvrir tout de suite ce qui s'est passé ensuite dans la course. C'est le film de la course. Et on voit ensemble le classement de cette course remportée donc par Lewis Hamilton. Alors, il a eu un peu mal cette saison, on en reparle évidemment un peu plus tard dans cette émission. Et... comme il a dominé en fin de saison dernière, la lutte à trois, ce n'est pas non plus à son avantage. On va reparler de Nico Rosberg, mais le hat-trick, comme on appelle ça, de Lewis Hamilton, Thomas. Ah ouais, les garçons de la trempe de Lewis. Alors, évidemment, c'est la victoire d'Hamilton qui a marqué cette édition du Grand Prix de Chine 2015, mais ce qui a animé l'après-course, c'est aussi la réaction de Nico Rosberg, son équipier. Vous l'avez dit, Alain, il l'a un petit peu mauvaise. On écoute les deux hommes en conférence de presse. Que le Grand Prix était perdu pour lui. Oui, possible. Bon, en tout cas, un autre qui est bien loin de toutes ces considérations, un autre pilote, c'est Romain Grosjean. Lui, il pense surtout au résultat, à finir une course, puisqu'il n'a pas eu beaucoup de chance en ce début de saison. Ça y est, sa saison est lancée, Alain. Il a marqué ses tout premiers points. Toujours tout sourire, Romain Grosjean. Là, c'était au micro de Laurie Delestal juste après la course. Spirale du succès, comme une spirale comme ça de fiabilité. Bon, maintenant qu'il y a quelques problèmes, et ça arrive à tout le monde, et voilà, on ne parle que des moteurs. C'est la dernière partie de Formula One, votre magazine de la F1. Avant de parler de McLaren, sans satisfaire, on parlait de Renault tout à l'heure. Et bien McLaren, c'est une autre équipe de légende. Alors des débuts de saison un peu laborieux. Et pourtant, avec 8 titres mondiaux à son actif, l'association a connu de très belles heures à la fin des années 80. McLaren Honda à la poursuite du passé. Étienne Pidot, Thierry Roche. Beaucoup messieurs, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Ça y est, le prochain Grand Prix, c'est le plus. Voilà, prochain Grand Prix de Bahreïn, du spectacle, il devrait y en avoir aussi ce soir, puisque vous verrez l'IndyCar, c'est la deuxième manche. Rendez-vous sur Canal+, décalé à 22h35, la deuxième manche qui aura lieu en Louisiane. Et dans quelques instants, du foot. Évidemment, toute l'équipe du Canal Football Club vous attend. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup. C'était formidable. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Puis on se quitte avec les meilleurs moments, les temps forts du Grand Prix de Chine. Camille Chignac. C'est pas non plus à son avantage. On va reparler de Nico Rosberg, mais le hat-trick, comme on appelle ça, de Lewis Hamilton, Thomas. Ah ouais, les garçons de la trempe de Lewis. Alors, évidemment, c'est la victoire d'Hamilton qui a marqué cette édition du Grand Prix de Chine 2015, mais ce qui a animé l'après-course, c'est aussi la réaction de Nico Rosberg, son équipier. Vous l'avez dit, Alain, il l'a un petit peu mauvaise. On écoute les deux hommes en conférence de presse. Que le Grand Prix était perdu pour lui. Oui, possible. Bon, en tout cas, un autre qui est bien loin de toutes ces considérations, un autre pilote, c'est... Romain Grosjean, lui, il pense surtout au résultat, à finir une course, puisqu'il n'a pas eu beaucoup de chance en ce début de saison. Ça y est, sa saison est lancée, Alain. Il a marqué ses tout premiers points. Toujours tout sourire, Romain Grosjean. Là, c'était au micro de Laurie Delestal, juste après la course. Spirale du succès, comme une spirale comme ça de fiabilité. Bon, maintenant qu'il y a quelques problèmes, et ça arrive à tout le monde, et voilà, on ne parle que des moteurs. C'est la dernière partie de Formula One, votre magazine de la F1, avant de... parler de McLaren sans satisfaire, on parlait de Renault tout à l'heure, et bien McLaren c'est une autre équipe de légende, alors des débuts de saison un peu laborieux, et pourtant avec 8 titres mondiaux à son actif, l'association a connu de très belles heures à la fin des années 80. McLaren Honda à la poursuite du passé. Étienne Pidot, Thierry Roche.
beaucoup, messieurs. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Hein. Ça y est, le prochain Grand Prix, c'est Canal+. Voilà, prochain Grand Prix de Bahreïn, du spectacle. Il peut y avoir des sanctions. Et il faut souligner aussi que c'est dangereux pour la personne qui peut faire un écart. Et effectivement, très dangereux. J'espère qu'on ne revoit pas ces images. Là, en tout cas, on revient au Grand Prix de Chine dans quelques instants. On va faire un petit détour par le passé. Alors, jusqu'au début de la saison 2015, les pilotes pouvaient changer leur décoration de casque comme de chemise. Et bien, c'en est terminé. Alors, certains râlent. D'autres sont indifférents à cette mesure qui a été prise en ce début d'année. En tout cas, auparavant, on avait un casque pour la vie. Manifestement, on ne s'en portait pas plus mal, on regarde. Il change à chaque Grand Prix, c'était un peu plus moderne. C'est la société aussi. Ouais. Hein. Ouais, moi, je vois là, chacun son... Mais oui, vous avez raison, on y voit beaucoup plus clair. Bon, dans sa génération. Une petite pause, merci messieurs, on se retrouve dans quelques instants, juste après la pause. Retour sur le plateau. Bonsoir à tous, bienvenue dans Formula One, le magazine de la F1. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir en compagnie de Thomas Sénécal, qui n'est pas parti en Chine pour rester avec nous. Bonsoir Thomas. Et d'Alain Prost, que nous sommes ravis. Une image, c'est évidemment celle du vainqueur, la joie de Lewis Hamilton aujourd'hui, qui a remporté le... On pensait que ce serait qu'à deux. Et déjà des tensions qui commencent à être un peu... Thomas, effectivement, c'est de voir cette lutte à trois qui est en train de se profiler. C'est pas du tout le même scénario qu'en 2014, ça c'est l'indifférent. Et au championnat, Vettel est... Alors Shanghai, c'est loin, mais c'est beau. Et pour se familiariser avec les lieux, qui de mieux que Laurent Dupin pour nous servir de guide. Tout de suite, en route pour Shanghai. Et il est fort, ce Laurent Dupin, il a réussi à interpeller cette... On se souvient d'un Grand Prix d'Angleterre en 2003, donc évidemment... Plateau de Formula One en compagnie de Thomas Sénécal et d'Alain Prost, on évoque le Grand Prix de Chine, de Shanghai, 12e étape, 12e pas du tout, 12e édition de ce Grand Prix. Alain, on va voir quelques images de ce magnifique circuit qui voit... Il ne souvient pas, hein, c'est-à-dire qu'il a, il a... Le film, un mot sur les qualifications, avec une légère frustration pour Nico Rosberg. Ah ouais, c'est le mot pour le pilote allemand tout au long. Pole position sur le circuit chinois. Un peu moins de réussite pour Nico Rosberg, on vient de le voir. On va découvrir tout de suite ce qui s'est passé ensuite dans la course. C'est le film de la course. C'est parti. Et on voit ensemble le classement de cette course, remporté donc par Lewis Hamilton. Alors, il a eu un peu mal cette saison. On en reparle évidemment un peu plus tard dans cette émission. Et... Même, comme il a dominé en fin de saison dernière, la lutte à trois...